Yo tout le monde. Yo tout le monde. Vous allez voir Lévi, vous pouvez nous suivre au jumping de Bordeaux sur les poneys de Lévi. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Non, c'est quoi? On est dans le train avec Mareva. Et aujourd'hui, je vous emmène avec nous à Bordeaux. C'est parti. J'ai même pas quitté. De voir un artiste frustré devenir méchant alors qu'il est juste mauvais, c'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatté pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité, surtout si c'est ton pote, la vérité. On est à l'hôtel, dans notre hôtel de et on attend notre coloc. Surprise! On ne sait pas qui ça avec va. Qui on dort? Avec qui on dort? Oh mon dieu, on dort avec lui! Quelle horreur! Non! Salut Lévi! J'ai pas envie de dormir avec lui! Mais tu es superposé! Il force avec son badge, pour qui se prend-il? Coucou, tu feras un swap avec les poneys de Lélou. On a déjà fait un, je vous invite à le regarder! Et puis c'était il y a un an. On va peut-être en refaire un plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire, Mareva? On va manger. Oh oui. On m'annonce que les repas sont arrivés. On a grave pris la même chose. Mais moi j'ai pris sans jambon. Et Mareva a pris sans ail. Les meufs archi relou. Et il est 22h36. Allez, maintenant, on rentre à l'hôtel. On a bien mangé, hein. On est bien repu. Comme ça là, un coupe solo. Allez, à demain à Bordeaux. Yo, on se retrouve, on est le lendemain matin. C'est chaud, on part au salon. Mais c'est ça, on part pas au salon, c'est un jumping. C'est la première fois qu'on va faire un jumping. Ouais, ça y est, on monte dans les gammes. MDR. Bon, du coup, on a dormi avec ce mec, c'était affreux. Il a pété comment? Non, oh. Et là, on se balade avec nos valises et tout. C'est un peu compliqué parce que on n'a pas de thunes, donc on peut pas payer un Uber. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà quoi. Ah, mais il y a notre voiture là, juste là. Oh! C'est parti pour un samedi de folie. Vous avez raté un truc, il y a Victory, c'est... Alors évidemment, aujourd'hui, le Doctor Horse a été... Et on n'a pas filmé ça. Tristesse. Plein, 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 plein. Bon, allez. Alors là, on va aller faire du western. On va monter. Ah, Maref. Allez, là. On part. Très bien, bonjour. Allez, c'est rentré. Ouais, sinon j'ai fait du western, c'était ouf, c'était trop bien, je me sentais comme un cow-boy, mon poney était trop beau, genre, j'ai kiffé, voilà, c'était bien, allez, à table. Qu'est-ce qu'on va manger les loups aujourd'hui? Alors on va prendre un petit menu healthy avec un petit dog de cabillaud car je ne souhaite pas manger des viandes. On va prendre un pressé de bœuf, au set et vraiment fort, voilà. C'était vegan, moi, je suis pas du tout. Miam miam miam.
C'est l'heure de passer à table. Vous êtes flou. Tout est flou. Il y a des chips. Vas-y, balance les chips au milieu. Regarde la qualité. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. C'est tout nourriture ce vlog. C'est tout manger. On est grosse ou on l'est pas, hein. C'est comme ça la vie. On est grosse. On est grosse. Ici le meet-up Zer. J'ai pris possession du vlog de Léa. Allons pourrir le vlog de Léa. Ouais. Tu m'appelles ton prénom. Salut, ah, bonsoir. Léa. Ah, tu vas remettre trou de nez. Au revoir, une autre pour s'il vous plaît. Alors là, je vais m'amuser là. J'ai pris toute la place, comme ça, si elle fait signer par d'autres personnes. Et ben tant pis. Eh ben là, c'est. Waouh, ce cœur magnifique. On n'a jamais vu plus beau. Super, merci. Voilà. Tenez, je vous la donne. C'est cadeau. Ça merci, fait plaisir. Bien. Meet-up est terminé. Je suis exténuée. Moi aussi. J'en peux plus. C'était le plus gros meet-up que j'ai jamais fait de ma life. C'était ouf. C'était trop bien. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. C'était incroyable. C'est une blague par contre, les gilets jaunes qui nous empêchent de prendre. Qui nous empêchent de prendre notre train. En fait, le tram. En fait, là il y a le tram. Sauf qu'on peut pas le prendre parce qu'il y a les gilets jaunes. Il dessert pas en fait la gare voilà. Saint-Jean, donc la gare où on doit prendre notre TGV. Parce qu'il y a la manifestation du cortège des gilets jaunes. Ce que Maréva avait hier. Non, j'avais un pull jaune. Oh, comment c'est pas chipoté. Non, mais voilà, du coup, en gros, là on prend un Uber parce que sinon on est dans la merde, on rate notre TGV, on rentre pas chez nous quoi. Est-ce qu'on va avoir le train? That's the question. On est dans le Uber. On va avoir notre train. Ouais, parce que monsieur Uber, il va faire en sorte qu'on ait notre train. Ouais. Sinon, il nous ramène jusqu'à Paris, il a dit. Ah ouais. Pour le même tarif. Ah d'ac. Bah, on prend ça direct, alors on prend cette option. Hein. On fonce. Bon, on a pas raté le train. Mesdames, messieurs, le départ de. Donc, on a pas raté le train. Et comme on est toujours autant des grosses et toujours autant passion bouffe. Oupsie. C'est terrible. Oh lourd. Oh mignon. Bon maintenant ça part sur une grosse bouffe, un gros dodo. Bisous. Et je vous reprends tout à l'heure avec les poneys quand je rentre à la maison parce que je vais aller les voir. Je sais pas vers quelle heure mais je vais aller les voir. Ça y est les gars, on se retrouve dans ma grange. Je suis rentrée à la maison. Il est 23h. Ouais, ok, il est minuit quoi. Donc après avoir pris un Uber, un TGV, deux métros, un train, la voiture, je suis rentrée à la maison. Donc là, je vais aller voir les poneys. Ma soeur s'en est occupée du coup pendant les 24 heures où j'étais pas là. Mais là, je vais aller les voir. Je vais leur donner du foin pour qu'ils passent la nuit tranquille. Bref, vas-y, j'arrête de parler, j'ouvre cette porte là, que vous connaissez bien maintenant. Je fonce voir les poneys. La porte refuse de s'ouvrir. Lumière, voilà. On traverse le jardin. C'est la tempête, il y a beaucoup de vent. C'est la gadoue aussi. Bonsoir Tiki. Coucou toi. Ça va mon cœur? Ça va? Oh mon chaton. Est-ce que vous m'expliquez pourquoi il y a du foin?
Là, là, c'est quoi ce gaspillage encore? C'est quoi cette histoire de gaspillage? Oh, je suis pas d'accord. J'accepte pas ça. Ils ont du foin. Mais ils en ont mis partout par terre. C'est une blague. Waris de respect. J'ai pas envie que ça... Voilà, voilà, voilà. Après ce qui arrive, on se retrouve à avoir du crottin dans le foin. Là aussi. Oh, vraiment, le gaspillage comme ça, c'est intolérable. Puisque tout le monde a décidé de me tourner le dos, bah moi je m'en vais. Je vous dis bonne nuit, à demain, parce que maman là, elle est fatiguée. Si en plus c'est pour avoir un accueil des moins chaleureux, bah vas-y, dis-moi non, t'as raison. Et bah moi je m'en vais. Bonne nuit, à demain. Cela il se dit, mais qu'est-ce qu'elle est bête cette meuf. Hey! Ah! On va s'envoler! Vite! À l'abri! Bon, je sais pas si vous allez entendre quelque chose du coup, mais le licol lui va trop bien. Bon, sauf avec l'étiquette, t'as l'air bête. Mais il est trop mips. Viens là que je te l'enlève avant que tu te roules avec. Il n'y a plus de bâche sur le foin, c'est problématique. Ah, c'est l'apocalypse. Soleil, au bout de sa vie. Ça va aller mon gros. Tu vas t'en remettre. Et là, regardez ce qui se passe. Voilà. Là, on a l'orage. Énervé. Et là, on a le beau temps. Yes, ça fait plaise. Bon, allez, ça, c'est fait. Et maintenant, je vais rentrer à la maison me sécher parce que je suis trempée. Bon, et du coup, pendant que l'orage était en train de passer, là, j'ai refait des trous dans la muserolle et dans la tétière du licol de Sangoku. Comme ça, c'est bien adapté parce que je le trouve un tout petit peu trop serré. Donc là, il est nickel. Il y avait un peu de place pour faire des trous. Donc voilà, il a un nouveau petit licol en cuir, comme son frère, qui a un licol en cuir qui est juste là. Giga blague là. Je suis trempée, mais maintenant je suis éblouie par le soleil, je vois rien. Ça me vénère ce toit.